toi, ne parle pas. Tiens, au lieu de jouer à l'infirmier, si tu veux te rendre utile, change les piles de ma radio. Les piles neuves sont derrière toi, là-bas. Madame Beauchard, je vous apporte vos médicaments. Merci. C'est formidable, ces petites pilules. Je t'assure. Tu vois, celle-là, elle te donne de l'appétit. Celle-là, elle te fait dormir 5 heures de suite. Et j'en ai même une qui tranguait. Si, si. T'en prends deux et tu éclates de rire toute seule dans ton lit. Tu devrais essayer. Non, non, merci, ça va très bien. Tu crois ça? Et comment va Madame Jo? Elle va bien, elle va très bien. Quand tu viens me voir, tu t'emmerdes à 100 sous de l'heure, hein, avoue. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout, mais... Tiens, il marche maintenant, ton poste. Je suis content que tu t'intéresses aux nouvelles, de savoir ce qui se passe dans le monde. Non. J'écoute uniquement les chansons. Parce qu'elles disent la vérité. Plus elles sont bêtes, plus elles sont vraies. D'ailleurs, elles sont pas bêtes. Qu'est-ce qu'elles disent? Elles disent... Ne me quitte pas, ton absence a brisé ma vie. Oh, je suis une maison vide sans toi. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre. Ou bien, sans amour, on n'est rien du tout. Bon, Mathilde, il faut que j'y aille maintenant. J'en reviendrai. Fatigue pas, Bernard. Tu n'as plus besoin de revenir. Tu peux aller les voir et leur dire « Mission accomplie. La folle est en train de redevenir normale. »